et départ validé du premier coup, c'est super. Express Evening est très bien parti avec étoile rouge au premier poteau, à l'image également de Enivrante. À 25 mètres, c'est Doux Parfum qui a été le plus rapide en compagnie de Festime. Fakir Mérité est pour l'instant également très bien parti à 25 mètres, alors que j'ai l'impression qu'on a compromis pas mal ses chances avec Fakir de Mahé en début de course. Fakir de Mahé qu'on retrouve loin et qui n'est pas à l'image, la Fakir de Mahé. Ça s'est mal passé pour lui, ça s'est très bien passé par contre pour Doux Parfum et pour Festime. Mais Festime hésite. Festime hésite dans le premier tournant, à l'entrée du premier tournant. Et il a perdu de ce fait un peu de terrain. Disqualification en début de parcours de Galatéji. Quant à Fakir de Mahé, eh bien écoutez, on ne le voit pas à l'image. Il est très loin également, j'ai l'impression. On est dans le premier tournant, sous l'impulsion de Enivrante. Doux Parfum est bien placé. Express Evening est là, en compagnie également du numéro 1, Donato Bello, alors qu'on est en léger retrait avec Falco Desrochers, numéro 6, qui n'a pas fait de faute aujourd'hui dans les premiers mètres de course et qui se retrouve néanmoins en cinquième position. Il n'a pas totalement profité de son avance de 25 mètres. À l'extérieur, il y a Extrême des Bois, que suit Festime. Un peu plus loin se trouve le numéro 4, Darshan, devant Étoile Rouge, et c'est Fakir de Mérité, Fakir Mérité numéro 12, qui ferme la marche. Doux Parfum en tête à un tour de l'arrivée. 10 ans et toujours là, Doux Parfum. Il va tenter crânement sa chance dans cette épreuve. Enivrante est en deuxième position. Express Evening est troisième. Donato Bello quatrième, devant le numéro 5, Extrême des Bois. Un peu plus loin, Falco Desrochers. Festime se fait ramener dans le sillage de Extrême des Bois, avec Darshan qui est un peu plus loin en compagnie de Falco Desrochers. À l'arrière, on a toujours l'énorme outsider Étoile Rouge. Et puis Fakir Mérité, le numéro 12. Début de la ligne d'en face, avec Doux Parfum qui a l'avantage. En deuxième position, Enivrante. À la corde, il y a le numéro 3, Express Evening. L'As, Donato Bello, est quatrième. Le wagon de 2 est emmené par Extrême des Bois. Festime a du mal à coller au dos de Extrême des Bois. Il faut dire que devant, ça roule avec Doux Parfum. Et Festime est un peu inquiétant à cet instant. Il a du mal à accrocher le sillage du cheval drivé par Christophe Fate, Extrême des Bois. Alors qu'à l'extérieur, Darshan fait un effort. On a des outsiders là qui font mouvement, et notamment le numéro 4, Darshan, qui est en train de venir à l'extérieur du numéro 5, Extrême des Bois. Mais devant, c'est toujours Doux Parfum qui a l'avantage, alors que Festime est dans un jour apparemment totalement sans aujourd'hui. On l'avait vu hésiter à cet instant du parcours il y a un tour, 200 mètres après le départ, et il n'arrive pas à coller, et Mathieu Abrivard le retire. Mathieu Abrivard a retiré Festime, qui ne pourra plus faire l'arrivée. Alors après Fakir de Mahé et Festime, est-ce qu'on va encore avoir des surprises dans cette épreuve? En tout cas, ça fait le jeu pour l'instant de Doux Parfum qui a l'avantage. Attention à Fakir Mérité qui a fait peu d'efforts et qui se rapproche avec des ressources, semble-t-il, à l'extérieur dans le sillage de Darshan. Devant, Doux Parfum a toujours l'avantage. Enivrante est en deuxième position. Extrême des Bois est troisième. Le numéro 4, Darshan, va peut-être créer une grosse surprise alors que Fakir Mérité passe à l'attaque à l'extérieur en compagnie également de Falco Desrochers. Doux Parfum qui ne peut pas contrer à mi-ligne droite le numéro 4, Darshan, qui à 100 mètres de l'arrivée prend le meilleur et va maintenant devoir résister à Fakir Mérité, ce qu'il va faire. Darshan qui va s'imposer pour l'écurie Terry. La deuxième place pour le numéro 12, Fakir Mérité. La troisième à l'extérieur pour le numéro 6, Falco Desrochers.